Surprendre, étonner, ravir, c'est la raison d'être des gadgets. Chef-d'œuvre d'astuce et d'imagination, ce sont toujours des cadeaux appréciés. Il en est pourtant qui laissent rêveur, tel ce t-shirt à deux places. Inséparablement unis, mais surtout pour le pire. Le gigantisme est l'une des tendances dominantes cette année. Il a brisé le carcan des proportions universellement admises, même autour des tables de jeu. À noter le batteur automatique, ou la chance à la merci d'une prise de courant, le cure-pipe et la main gratteuse, également électrique. Ce tronc, malgré les apparences, s'est lapproté au gain en forme de tirelire. Pour très grands fumeurs, un étui à minuterie incorporée. Il ne s'ouvre qu'au bout d'un temps prédéterminé. Le rationnement, c'est la santé. Ici, le briquet grand siècle, mais au gaz. Comme dans le plus mal suspendu des wagons-bars, la bouteille trembleuse, enfin la maladie de Parkinson à la portée de tous. Et pour les très grands buveurs, ce fond de verre en forme de reproche. Dans cette shop, le fond se fait hublot pour la revue de détail de l'Assemblée. Et si d'aventure il y manque quelques personnes du sexe, on fera appel à la figuration. Elle manque totalement de conversation, mais son humeur est égale et sa discrétion assurée. Avantage énorme, on n'a pas à la reconduire chez sa mère après la soirée. Quant à ce personnage, sa raison d'être est de rester rigoureusement immobile, impassible, insensible. Difficile à admettre, et pourtant c'est ainsi, il ne sert rigoureusement à rien.